Ça représente pour le Pays de Beach l'excellence en matière sportive, ça représente pour le Pays de Beach l'amitié franco-allemande, ça représente pour le Pays de Beach la jeunesse en devenir, et je crois que ça représente aussi pour le Pays de Beach l'occasion, au travers de cette arrivée, d'organiser un petit village autour du sport. Et nous avons à cet égard invité un certain nombre d'associations sportives, puisque l'arrivée se fera effectivement avenue Charles de Gaulle à Beach, à proximité de l'office du tourisme, pour pouvoir, j'allais dire, meubler, organiser, animer la fin de soirée avec évidemment quelques initiations à la pratique sportive. Le Sarlin Trofeo est une course déjà internationale puisqu'elle est inscrite à la Coupe du Monde Junior de l'Union Cycliste Internationale. Et effectivement, une course qui se déroule aussi bien en France qu'en Allemagne. Et c'est une chose qui est pour nous en tant qu'organisateur très très importante puisque c'est vraiment un symbole de la coopération franco-allemande aussi bien au niveau des autorités que des citoyens. Alors nous avons cette année 18 équipes nationales plus 5 équipes régionales, ça fait à peu près 120-130 coureurs.